Salut à tous et bienvenue sur xboxlive.fr, c'est Plegis. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo, on va dire. C'est-à-dire que je vais faire du let's play tout simplement, vous faire découvrir d'une manière différente un peu les jeux qu'on reçoit à la rédaction. Je vais essayer de faire ça déjà une fois par semaine, dans un style un peu différent. Ça va être vraiment du live. Je commence aujourd'hui avec Titanfall 2, on est vendredi donc 10 novembre. Hier, Respawn a mis en place une mise à jour qui corrige pas mal de bugs et qui aussi améliore le jeu graphiquement. Donc on va découvrir ça ensemble pendant une petite demi-heure. Et puis voilà, allez, on va commencer. Donc là, pour le coup... Pardon, je vais lancer le début de la campagne. Alors, j'ai pas fait le jeu, hein, comme ça je vais découvrir le jeu avec vous. Et puis, je vais éviter le prologue. Ce sera plus simple. On va mettre en standard. Ça fait un moment que j'ai pas joué à un FPS. Vous allez pouvoir aussi découvrir les temps de chargement. Désolé, je suis malade. Alors, que vous dire sur Titan 2? Titan 2, pour essayer de meubler un petit peu le temps de chargement ultra long. Titanfall 2 est un jeu de Respawn. D'ailleurs, EA a racheté le studio donc cette semaine pour une somme assez importante. Donc, a priori, il y a un Titanfall 3 qui est en préparation. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va passer le blabla. Alors l'ambiance est plutôt assez sympa, enfin moi j'avais bien aimé le premier Titan. C'est vrai qu'avec la sortie de Call of l'année dernière, Battlefield et Titan, et Titan 2, c'était compliqué de faire un choix. Et c'est dommage parce que lui il a quand même trinqué entre les deux blockbusters de chez EA et de Acti. Alors, qu'est-ce que... Allez. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le jeu, quand même, il claque. Dans sa version Xbox One X. Je trouve que l'entrée en matière est plutôt sympa. Alors, je triche un peu parce que j'ai déjà fait... Quand j'ai testé la Xbox One X... Et j'avais testé Titan pour le lancer. Alors du coup je suis pas avec une version presse ou autre, je suis j'ai un mois d'abonnement EA Access, donc je peux faire les jeux de EA. Ce qui est pas forcément ma tasse de thé, enfin parce que c'est surtout du sport. Donc je suis plutôt amateur de jeux hardcore. Enfin, de jeux hardcore et un peu de jeux. Ah, désolé pour vos oreilles. À me débarrasser. Bon, j'aurais peut-être dû me mettre en difficile parce que pour l'instant c'est quand même assez. Assez easy.
Donc le jeu tourne en 60 images secondes. A priori, il n'y a pas encore de A7 4K. Par contre, il est HDR. Donc, la vidéo que vous voyez, elle n'est pas HDR. Je désactive le HDR pour les vidéos. C'est plus simple. Ça évite que vous ayez des couleurs un peu bizarres. Donc là, vous voyez la vidéo sans HDR. Par contre, vous la voyez, elle est en format 4K, même s'il n'y a pas les assets 4K. C'est comme si vous jouiez au jeu, jouez au jeu sur votre télé en 4K, tout simplement. On a 18 heures jusqu'à ce que l'arche soit scellée et prête à la livraison. On se bouge. Hein, Richter, laisse bon, on va le laisser renifler un peu partout. On a du pain sur la planche. On n'est pas payé pour soulager les macabres. On va pouvoir jouer un petit peu. Ça commence, je suis en train de me faire bouffer. Allez. J'ai envie de jouer, moi. Alors, faudra pas hésiter, hein, si vous avez des jeux que vous souhaitez voir en 4K ou avec la Xbox One X ou même en Super Slamping, il n'y a pas de souci. Il faut juste me le dire dans les commentaires ou sur le site ou par un message. Pas hésiter, et si j'ai le jeu ou j'ai accès au jeu, ben je vous ferai la vidéo sans problème. Allez, on va aller voir l'autre. BT, transfert d'autorisation au nouveau pilote. Il y a un... Bravo Tango 7274. Cooper, prends mon Titan. Prends mon casque et mon aérokit. Finis la simulation. Prends soin de lui. Bon alors. Allez, c'est parti. Mise à jour. Ça, c'est les items. Alors, ce que je pensais faire aussi, c'est vous proposer des vidéos pendant que je teste les jeux, histoire de vous montrer un petit peu le backstage, on va dire, d'un test. Alors, si ça vous intéresse, je peux faire ça aussi. Allez, initialisation du système. J'ai un HoloLens sur la tête. Ouh. Ah, un flingue. Allez. Faut appuyer où ? Où est-ce qu'il faut appuyer ? Oui, d'accord. Oui, il faut aller chercher les batteries. Le rang du gun est plutôt sympa. Activer le mode fantôme. Fixer les objectifs. Ouais. Alors c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu plus de succès que ça, parce que franchement, comparé à un Call of de l'année dernière, je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo. Alors j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Du coup forcément.
trouver les batteries. Oui. Oui, monsieur. Ah oui, c'est vrai, on peut sauter sur les murs. Oh là là. Faut que je me remette dedans, là. Hop. C'est beau. Alors, normalement, là, j'ai deux toutous qui m'attendent. Voilà. Next. Hop là. Et suivant. Allez, un petit. Blablabla. Alors, non, il y avait un casque, un truc comme ça, l'autre jour. Comme je l'ai pris, est-ce qu'il apparaît? Alors, si vous entendez un cliquetis, c'est parce que je coupe le micro quand je tousse. Ça vous évitera de devenir sourd avant la fin de la vidéo. Hop là. Ouais, cette version Xbox Sonic, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Je suis assez bluffé sur les textures et les effets de lumière quand tu compares à d'autres jeux du même style. Même Battlefield, je trouve qu'il est pas aussi beau. Le tab de qui donne les ordres. Dis que c'est Barbouze et Général Marder. Tous les soldats ont essayé pareil. Ce que je veux, c'est que ce truc dans les montagnes s'active comme ça. Tu crois que c'est vrai? Ce que les mécanos racontent là-dessus? Tu me prends pour une tanche ou quoi? Yep, on va lui craquer le cou. Ah non. Ouf, la mandale, hop là. Youhou. Je suis ouf. Merde. Hop là. Allez, on continue. LB pour se camoufler. Ah, normalement, je crois que je les tue. Il a des bras uniques, mon perso, quoi. Pour mettre des mandales comme ça. Un petit coup dans les fougères. Faire attention. C'est vrai qu'on récupère notre vie. En patientant un petit coup. Pas sauter là-haut? Ah si, quand même. Des économies de munitions. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne le petit fil? Est-ce que je peux déjà? Non, je ne peux pas faire de double saut. Si, hop là, nickel. Hello, hello, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis pas bon avec des armes avec des pour viser. Tu vois? Oh non. Oh quoique. Bon, on sait jamais, ça pourra me servir. Ça vous montrera comment à quel point je suis nul avec avec une lunette de visée. Est-ce qu'il faut que je tombe? Je sais plus. Je suppose que oui. Oh, c'est flagrant, l'aide à la visée, elle est énorme. Elle est énorme. Y a rien par là? Non, y a rien. Bon, allez, je continue. Ah, ça y est, le double saut est activé. J'ai besoin de munitions. Ah, des grenades.
Eh mais ils ont des lasers les mecs. Faudra que je regarde aussi la sensibilité des sticks parce que je suis pas fan là, c'est un peu rigide. J'aurais dû les laisser se faire bouffer par les chiens. Et il est pas mort. Ah oui, c'est vrai. Je vais déjà m'occuper des droïdes là. Qu'est-ce que je suis nul avec un snipe? Par contre, eux ils me loupent pas. Alors. Mais d'accord, ils tombent dans l'eau. Ah, mais il y en a là! J'ai pas fait gaffe! Là, rien. Hop, je vais refaire un coup sans viser. On va voir que le stick se déplace. Ah non, il s'est pas déplacé tout seul. Qu'est-ce que je suis pas bon à ça? Hop. Il y en a d'autres? Ah oui. Bon après j'ai jamais été bon au snipe parce que je bouge beaucoup de trop. J'ai jamais eu la patience d'apprendre à sniper correctement. Alors, hop, normalement j'ai des toutous qui attendent. Ah non, voilà, c'est pour m'apprendre le double saut. Wouh! Oh, au bout de faut que je recharge. Hop, hop, hop. Ouh là là, j'ai failli mourir. Alors. Ah, mais c'est qu'il y en a un derrière moi là. Ah, mais ils sont pas que. FPS est très linéaire, enfin, du moins celui-là. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, je vais me paumer. C'est ça. J'ai pas suivi le bon chemin, comme d'hab. Ah, bah non, là je descends. Je sais plus où je vais. Je suis malin. Je fais le malin. Alors, donc là, je suis venu par là, je remonte. Tac, tac, tac. Ah tiens, on... Ah, c'est bon, je peux les sortir. Hop, c'est bien, oui, il me suit. Alors, hop, voilà. Ramasser la batterie. Hop, maintenant il faut sortir et avoir, aller voir le titan. Alors, hop. Ouh, une petite glissade. Comme dirait ma fille, on fait du toboggan. Ça c'est bon. Sont rares, on devrait le vendre. Pas moyen, c'est pas les ordres de. Et voilà,
Hop. Alors, mon petit robot. Puissance insuffisante. Ta batterie de secours. Normalement, il m'en demande une deuxième. Puissance aux deux tiers. Mémoire réinitialisée. Système oculaire actif. Mise au point. Vous allez bien, pilote ? Ouais. Qui es-tu, toi ? Hop. Je crois bien. Attends. Allez, je vais faire l'étonner. Quoi ? Tu m'appelles pilote ? Feu le capitaine Lastimosa vous a donné le rôle de pilote suppléant. Félicitations pour votre promotion. Allez. Vous pouvez m'appeler BT. BT ? Ok. Oh, t'es mignon. Les systèmes redémarrent, mais une troisième batterie accélérera le processus. Je reste ici. Profitons de cette petite pause de Cosette pour regarder les détails du Titan. C'est pas très beau. Ah. En attendant d'être mobile, je vous aiderai le temps que possible par radio. Session suivante. Wouhou! Alors, qu'est-ce que tu me dis? Blablabla, activer le mode fantôme. Rendez-vous et l'IMC vous escortera sain et sauf pour pénitencier d'Angel City. Jetez vos armes et alors immédiatement à une équipe de recherche de l'IMC. Pilote, je vous déconseille de vous rendre à l'IMC. L'analyse vocale indique clairement qu'il mente. Tu me prends pour un idiot. Allez. Je prends pour un idiot, BT. Je ne peux pas me prononcer sur vos fonctions cognitives avant l'établissement d'un lien neuronal. Alors, bon, du coup, j'ai fait le malin, j'ai rien écouté. Je sais pas où il faut aller. Y'a pas une carte ? Il est où l'objectif ? Il est là-bas ? Et bah alors, j'ai bien fait de passer par là ? N'importe quoi. Allez, c'est parti. Hop là, double saut. Non, pas double saut. Est-ce qu'il faut shoot là-haut? Non. Non, mais on va tenter comme ça. Hein. Bandai! Ouais, c'est bon, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Il y a un mec qui est fait, qui dirige les prédateurs, les mercenaires d'élite. Le top. 14, tu l'as trouvé. Alors. Oh merde! J'avais pas vu. Mes systèmes de navigation ont été réinitialisés. L'embuscade de la végétation est assez dense ici. De notre destination initiale. Alors. Nous sommes en territoire ennemi. Soyez prudents. Nous ne pouvons pas rester ici. On croit toujours qu'on va s'en sortir, BT. On n'a plus le choix. Pour survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. Hop. Hop. Youhou. Alors. Nous avons des ennemis par ici. Ah oui. Ah merde, merde, j'ai loupé mon saut. Bon, tant pis. On recommence. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu ? Des grenades arc, grenades frag, ouais, ça c'est quoi? DMR. Mm-hmm.
Bon, on va faire avec ça. Hein. Oula, il y a de l'action. Alors. Ils sont où? Ah, mais ils sont là. Ah merde, je la voyais pas si près. Bon, finalement, le coup de se mettre en normal, c'était pas une mauvaise idée. Il est où? Est-ce que ça marche, ça, au moins? J'ai l'impression de ne rien lui faire. Je vais faire autrement. Voilà. Ah, ça va me plaire, ça. Ça a l'air d'être mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Allez. Il y a un passage par là, je vais essayer de bifurquer votre combinaison LB pour te camoufler. Camouflage oui pour parer aux situations bonjour dangereuses. Heureusement que c'est des IA. Hein. Je pense que ça fait longtemps que je me serais fait défoncer en multi. Bonjour, bonjour. Alors, non. Ah, par contre, ça peut m'intéresser. Ouais, alors, je vais peut-être reprendre cette arme-là, du coup. C'est hop, hop, hop. On peut plus choisir ses armes tranquillement. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Voir un peu comment c'est pas bien fait. Ah oui, c'est pas bien fait. Hein. Enfin, pas bien fait, tout est relatif. On a vu pire. Mince! Ah, j'ai fait le malin! Ah là là! Merde, je regardais pas l'écran, du coup. Oh, faut que je recharge, ouais, c'est. Oh là là! Bon, je vais garder mes armes, je vais laisser le bazooka où il est. Il y en a encore un là, bidule là. Est-ce que je peux les contourner? Pas par là en tout cas. Non, on va pas essayer, on va mourir autrement. Alors, tiens. Un bot. Il y en a d'autres des bots? Ah, je me suis trompé de touche pour lancer ma grenade, forcément. Ça le fait pas. Hop. Hop, voilà. De prévention. Le pompe, il est quand même. Il tire d'assez loin. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est quoi ça? Je peux pas le détruire? Ah non. Je peux pas anticiper? Oh,
Salut. Hop, reviens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les effets de lumière sont quand même pas mal, hein. Quand je vois Star Wars avec ses flammes là, je me dis que Titan, il a rien envie. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Il reste des survivants sur ce vaisseau? Non, les scans. Non, on va récupérer sa batterie. À bord du MCS James McAllan. Mais 90% des navettes ont été éjectées. Alors. Été, c'est la voix de qui? C'est le commandant du détachement des maraudeurs. Division de l'escouade de reconnaissance spéciale, ou ERS. Elle s'appelle Sarah Brix. L'IMC est déterminé à nous anéantir. Par contre, j'ai pas regardé s'il y avait des items à récupérer pour les succès. Ah, on peut se faire des sessions succès si vous voulez, hein, aussi. Ça peut être marrant. Et voilà la deuxième batterie. Maintenant, je vais pouvoir retourner voir BT. Betty. Hop, un petit coup de toboggan. Assistance. Ah, c'est un casque. Ah, comment je fais pour le récupérer, ce casque? Oui! Voilà, casque collecté, 2 sur 2. Oh, bah c'est nickel, ça. Un petit succès, non? Non, pas de succès. Là, ça fait longtemps que je serais mort à atterrir dans des petits pics en métal. Pilote, notre position a été compromise. Alors. Ah, c'est abusé quand même. L'aide à la visée, elle est quand même énorme. Ces drones sont des éclaireurs. Il n'y en a pas d'autres? Non, c'est bon. Nous devons terminer immédiatement le lien neuronal. Installer la dernière batterie. On est pas mal là. Pour cette première mission. Puissance optimale. Oh, est-ce que je vais avoir un succès? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Pilote, nous devons d'abord établir un lien neuronal pour continuer. Oui! Embarquez quand vous serez prêt. Ça, c'est bon. Combien de G? J'ai pas fait gaffe. Embarqué. Allez, c'est parti. Ok. Protocole 1. Lien au pilote. Protocole pilote. Établissement du lien neuronal. Je rentre dans la matrice. Lien neuronal établi. Fusilier Jack Cooper, vous êtes désormais le pilote suppléant du BT-7274. Protocole. Allez. Poursuite de la mission. Bon, de toute façon, on va aller. Vu que je vais commencer la deuxième mission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Et puis, bah, si cette vidéo vous aura plu, et ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif. Si elle vous a pas plu, dites-le moi. Moi, je saurai pourquoi. Et puis, et je tâcherai de m'améliorer. Et merci en tout cas d'être allé au bout de la vidéo. Parce que ça veut dire que vous serez allé au bout de la vidéo. Et puis, je pense que je vais arrêter de dire et puis. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous quitter là. Je veux juste tuer les mecs. Oui, vas-y, allez. Ah non, je peux rien faire. Ah. Plus vous maintenez la touche, plus les verrouillages sont nombreux. Là, vous avez tous tiré. Hop.
Ah non. Voilà. Allez. Contrôle des armes et synchronisation des coups. Oui, j'ai nickel ça. Encore ? Oh, les mecs. Et... C'est pas suffisant ? Pilote, largage de titans ennemis. Préparez-vous. Nous allons devoir nous battre. Sûr de ton coup ? N'ayez pas peur. Bon, bah, c'est pas mal ça. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous !